Good morning, allez, Iden Letus aujourd'hui, le Nishmat. Amravina Ben Khanapi Givat Esther, Nissim Ben Aouda et Lirfuat Efrat Mayan Batlea Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Avot Azara, Père Gimel Mishnabet. Amotse Shivrei Tzlamim, Arei Elu Mutarim. Matzat Avnit Yad, Ot Avnit Regel, Arei Elu Asurim. On continue le sujet de la Mishnah précédente, où, à savoir, est-ce qu'une idole que l'on trouve chez les Goïm, est-ce qu'elle a un statut de... Est-ce qu'elle a un statut de Avodah Zara, d'idole qui a été servie en objet de culte, et donc elle est interdite à en tirer profit ou non? À présent, après avoir défini quel type de statut on va soupçonner ou non, c'était le sujet de la Mishnah précédente, selon où elle se trouve, dans les villages, à l'entrée de dans les grandes villes, à l'entrée de la ville, est-ce qu'elle doit avoir un objet dans la main ou non? À présent, on va s'intéresser dans notre Mishnah à savoir si on va trouver un morceau d'idole, quel sera son din? À savoir, dès qu'il va y avoir une idole qui a été interdite telle qu'elle, on va prendre par exemple, il y avait une statue, c'est sûr qu'elle a été servie en tant qu'Avodah Zara, il y avait un boudou tout moche, ouais. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que cette idole, elle est tombée par terre, elle s'est cassée, on va avoir un petit bout, et on a envie de récupérer ce petit bout maintenant, c'est une petite pierre qui peut nous servir pour caler un meuble, peu importe. Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser? Alors là, c'est clair que je n'ai pas le droit de l'utiliser. Parce que dès que l'idole, elle est devenue interdite en tirer profit, dans la Torah, on n'a pas le droit de tirer profit d'une idole, un interdit de la Torah. De ce fait, même un morceau d'idole est inclus dans cet interdit. Donc, maintenant, la question est de savoir si vous trouvez un bout de statue dans la rue, et ça vous intéresse de l'utiliser, vous en avez besoin. Vous cherchez un petit bout de bois, un petit bout de pierre, et puis vous savez pertinemment qui provient d'un morceau, d'un buste entier, d'une idole. Est-ce qu'il y a un interdit à en tirer profit? Quels sont les critères pour définir que ça provient d'une idole qui est interdite ou non? Alors la Mishnah enseigne, on va distinguer dans la Mishnah deux cas de figure. Quand on va trouver un morceau cassé, brisé, et lorsqu'on va trouver une forme de membre entière. La Mishnah enseigne, d'abord on va aller lire, traduire, et puis ensuite on va expliquer les raisons. Amotse Shivrei Tzlamim, celui qui va trouver un morceau brisé, chever, ça a été cassé, d'un tselem, d'une idole. Arei Elu Mutarin, il sera permis à en tirer profit. Étonnant, on va expliquer pourquoi bien sûr. Matsa Tavnit, par contre s'il a trouvé Tavnit Yad ou Tavnit Regel, s'il a trouvé une idole qui avait une forme entière de main ou de pied. C'est-à-dire, il a trouvé un morceau d'idole, mais c'était tout un bras entier. Ou toute une main, je pense que ce sera la même chose aussi. Si c'est la main, dès que c'est un membre entier significatif, ou même un buste, ou même à plus forte raison une tête, ou encore un pied. Alors, Arei Elu Asurim, cette fois-ci, ils seront interdits à en tirer profit. Pourquoi? Mipenei Shekayotse Bahen Ne'evad. Car il arrive qu'un tel membre soit indépendamment, individuellement servi. Et on explique un petit peu mieux de quoi ça parle. On va commencer bien sûr par la Reisha, ce sera plus facile. Comme ce qu'on a expliqué, un morceau d'idole lui-même, si l'idole tombe et se casse, même un morceau de cette idole, il est interdit. La question maintenant, elle est de savoir, selon, comme dans toute la Torah, on fonctionne avec des chazakot et avec des probabilités et des logiques, alors maintenant, la question est de savoir, lorsqu'on va trouver un morceau d'idole, quel sera son digne? Pourquoi? Comme on a dit, si l'idole est tombée, elle s'est cassée, elle sera interdite. Mais on a une règle qui nous dit que le goy, il fait très attention à son idole, qu'elle tombe jamais. Il l'entretient très bien, donc elle ne peut pas se casser en théorie. Il y a, par contre, une halakha très particulière qui ne concerne que les idoles des goyim. Un goy, aussi bien qu'il a la capacité d'interdire une idole, il a la capacité ensuite de la permettre. Soit un goy qui a pris, pendant des années, il a pris sa statue, son boudou, et il s'est prosterné devant elle. Bouddha, oui, il marchait mort. Mais en tout cas, il ne faut pas mentionner, comme on avait appris, qu'il ne faut pas mentionner le nom de Avodah Zara, donc c'est pour ça que je dis boudou. Donc il a pris son boudou, et il s'est prosterné devant elle, il lui a apporté des sacrifices pendant des années. Puis du jour au lendemain, il regarde ce morceau de cuivre tout moche, et il dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Il annule l'Avodah Zara, même par la bouche, je crois que ça suffit, on verra plus tard exactement. En tout cas, il l'annule, il lui met un coup sur la tête, il lui met un petit coup sur le crâne, pour lui dire, allez, casse-toi. Donc, maintenant, il a la capacité d'annuler sa Avodah Zara, de l'annuler, tout simplement. D'accord? Donc, il va de nouveau la rendre permise à en tirer profit.
et pour ensuite l'utiliser en tant qu'objet décoratif, le juif pourra l'utiliser et le revendre, il n'aura plus de problème parce que ça n'aura plus un statut de Avodah Zarah. Chose que le juif ne peut pas faire avec l'Avodah Zarah. Si Chas v'Shalom est un juif qui sert une idole, c'est fini, il n'a plus la capacité de l'annuler. Il n'y a qu'un goy qui a cette capacité, on apprendra bien sûr tout ça plus tard. Alors maintenant on revient sur notre sujet. Un morceau de boudou qui se retrouve par terre, il est intéressé à récupérer un petit bout là-bas, un petit bout de cuivre, ça peut être du cuivre qu'il peut utiliser pour faire fondre, pour fabriquer un tuyau, peu importe. Si ça a été de l'Avodah Zarah, il ne pourra plus l'utiliser. Et sinon, non. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? La Mishnah, alors, premièrement. Alors, il va falloir émettre plusieurs hypothèses, pour ensuite trancher selon des règles de Sfek Sfeka, puisqu'on va avoir un double doute, alors on va pouvoir permettre. Tout d'abord, est-ce que c'est tombé par hasard ? Non, ça ne tombe pas par hasard. Tant que le goy sert son idole, elle, on ne va pas soupçonner qu'elle tombe par hasard, c'est presque pas possible, il veille trop fortement à elle. Donc, si elle s'est cassée, de deux choses l'une. Soit il l'a cassée consciemment, et donc il l'a annulée. Et si maintenant tu vas peut-être soupçonner que. Donc, il l'a cassé, mais. Alors, excuse-moi, je recommence, regardez. J'ai un peu cafouillé. Je recommence calmement, tout va très bien. Donc, soupçonner qu'elle est tombée d'elle-même et qu'elle se soit cassée, c'est une probabilité trop lointaine. Donc, de ce fait, c'est plus logique que ce soit le goy lui-même qui l'ait cassé consciemment. Maintenant, vous allez me dire, ouais, peut-être qu'il l'a cassé consciemment, et peut-être qu'ensuite, mais malgré tout, il a continué à la servir. Genre. Le père, il a cassé, le fils, il est venu, il a revu l'idole, il s'est quand même prosterné, il a dit « Ah, quoi, Bouddha, il a un truc, toi, le doigt de Bouddha, je vais te servir », il s'est prosterné devant elle, devant lui. Peut-être qu'il y a eu cette éventualité. Alors là, cette fois-ci, ça va nous faire un Sfek Sfeka, un doute dans un doute. On a une grande règle, tout ce que la Torah l'interdit, même lorsqu'on a un doute, est-ce que c'est interdit ou permis, c'est interdit. Ça, c'est qu'on a un seul doute, c'est un Safek. Mais lorsque, dans l'éventualité que ce soit interdit, on a encore lieu de permettre... Il y a encore un double doute qui va naître. Ouais, donc premièrement, si ça s'est passé, si ça a été blanc, c'est permis. Si ça a été noir, c'est interdit. Mais même lorsque c'est noir, sache que c'est pas forcément interdit, parce qu'il est possible qu'il y ait encore autre chose qui soit permis ou interdit, ce qu'on appelle un Sfek Sfeka, 75% de probabilité que ce soit permis. De ce fait, la Mishnah nous enseigne que c'est permis. D'accord ? Ça c'était donc un réel motorine, c'est pour ça que c'est permis. Par contre, Matzat Avnit Yad ou Tavnit Regel, c'est là trouver un membre entier. Alors là, ça devient plus compliqué. Si c'est un membre entier, il est possible qu'en réalité, a priori, ce membre, il a été créé, il a été fait en tant qu'Avodah Zarah. Ici, c'est un culte païen, où est-ce qu'ils servent uniquement les mains. Ils imaginent, ils croient en la force de je sais pas quoi, je connais pas comment ça fonctionne, la logique, la philosophie de l'Avodah Zarah. On n'a plus de Avodah Zarah à notre époque, donc on ne peut plus tellement comprendre ce que c'était. Même s'il y a des fous qui font encore ça, on n'a plus, tout simplement, le Ragma raconte qu'à partir du Baït Sheni, ils ont fait une prière spéciale pour supprimer ce Yetzirah de Avodah Zarah. Donc on n'est plus capable de comprendre ce que c'est. On n'a plus la capacité de comprendre, tout simplement. Quoi. Et en tout cas, maintenant, donc, en l'égoïme, ils ont encore éventuellement ça. De ce fait, si on a trouvé un membre entier conséquent, c'est possible que ce soit une Avodah Zarah que, a priori, elle a été faite pour la servir. Donc de ce fait, ça va reprendre le même din que la Mishnah précédente. On va soupçonner que ça a été fait de Avodah Zarah, avec une précision cette fois-ci, ça a apporté l'antivers d'Israël, même s'il n'y aura plus de bâton dans les mains, ou d'oiseaux, ou de ballons, comme on apprenait dans la Mishnah précédente, cette fois-ci, le membre il sera interdit en tant que tel. Donc, Aren ou Asorin, pourquoi ? Mipene shekayotse bahen ne'evad, car un tel objet, un tel membre entier, est quelque chose qui est servi chez les goïm. Donc, voilà. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.